learning that writing is a means of discovering things that they might not even know. What I want to leave you with is the understanding that these ideas about illness being really a drama that unfolds when one person gives an account of him or herself to another who knows how to receive that account. If that's what we think of as the central event of healthcare, we can see that the physician equipped with the complex skill to fully receive that which is being told has simply a better chance, has more evidence on which to give effective care. Comment tu t'appelles ? Lily Saint-Laurent. Quel âge as-tu ? 47 ans. Comment tu te décrirais ? Blonde aux yeux bleus, 1m70, 60 kg. Tu as un souci ? Maladie de Parkinson précoce. Un trait de caractère ? Active. Une qualité ? Plutôt optimiste. Une conviction ? Prêchant plutôt pour une bonne alimentation que tous les médicaments. Je suis un petit soldat, enrôlé dans une légion étrange. Pas d'engagement ni de consentement, non. Juste tributaire d'un régime coercitif et sans appel. Je me dois d'être disponible 24 heures sur 24, en bonne condition physique, avec un moral d'acier et une hygiène de vie irréprochable. Pas de faux pas, aucune dérogation. Dans le cas contraire, les sanctions sont immédiates. Pas de démission ni de renvoi, on ne résilie pas. Son combat n'est pas le mien. Son armée est invisible. Nous sommes les combattants de l'ombre. Un marathon sans fin où il faut tenir bon dans la tempête contre vents et marées le plus longtemps possible. Je suis régulièrement d'astreinte. Des nuits sans sommeil, des journées à batailler, des tonnes de médocs à avaler, j'en sors épuisée. Ma légion est étrange. Elle combat contre moi, tout contre. Elle m'abîme sans m'éliminer, elle me contraint sans m'enlever ma liberté de penser. Dans la bataille, je perds des plumes, mais je m'élève également. La souffrance me renforce, la solitude m'enrichit, la tristesse me pousse à me dépasser. Un dur chemin vers l'humilité. Mais je suis aussi un petit soldat qui doute, désarmé et perdu dans la tourmente. Un petit soldat blessé qui apprend à prendre soin de lui et qui se bat pour continuer à croire encore en des jours meilleurs. Parkinson est une légion étrange. Parkinsonland, invisible frontière, territoire inconnu, gigantesque cimetière pour neurones perdu, peuplé d'habitants du misère tout autour de la planète, sorte de cours religionnaire raflé par la tempête, possédant ni visa ni carte routière, avec pour seul contraint ce fou en bandoulière. Un espace immense, parfois teinté de larmes, un pays de silence au milieu du vacarme, des falaises escarpées comme des murs de glace, des routes pas terminées, serpentant vers l'angoisse, une terre sauvage, bordé d'humilité, parsemé de courage et de chants d'amitié. Ce pays, c'est le mien. Je ne l'ai pas choisi. J'y cherche mes lendemains avec rage, sans répit.
Parkinson en sauce. Difficulté 5 étoiles. Budget 5 étoiles. Plat principal se mange froid. Temps de préparation se compte en années. Dépend de la qualité du bouillon cube de tueur de fils de parc. Ingrédients. Une jeune femme de 40 ans. Un fils de parc bien mûr. Un bouillon cube de 6 tueurs de fils de parc minimum. Beaucoup de temps pour lier la sauce. Quelques kilos de dopamine prévoir large. Une pincée d'optimisme. Quelques brins d'amour et d'amitié. Du courage en poudre et une bombe d'humour pour la décoration. Une ou deux rasades de mojito pour faire passer le temps. Préparation. Le cerveau de la jeune femme doit avoir infusé plusieurs années dans une tisane de Parkinson et cela jusqu'à complète absorption de celle-ci. Le fils de Park sera totalement mûr quand vous pourrez observer des effets concrets de son pouvoir de vieillissement sur la jeune femme. Tremblement, difficulté à marcher et une sérieuse tendance à chanceler sans raison. À ce moment-là, passez tous les tueurs de fils de parc au tamis afin de vous assurer de leur pureté et puis mixez leur avis afin de n'en conserver que l'essence. Administrez celle-ci ainsi en complément de fortes doses de dopamine, tout en faisant attention au surdosage qui pourrait provoquer des symptômes de dyskinésie. La recette requiert de la minutie. Le fils de parc et la dopamine doivent être intimement liés au cerveau de la jeune femme afin de lui donner toute sa saveur, sans pour autant faire apparaître des effets secondaires trop importants. Si vous en voyez apparaître, n'hésitez pas à repasser la préparation au tamis, en lui incluant bien sûr de l'essence de spécialiste. Restez vigilant, car un surdosage pourrait entraîner rapidement des complications importantes et non négligeables financièrement et psychologiquement, comme un bouillon cube supplémentaire de tueur de fils de parc, voire même l'achat d'électrodes ou d'une pompe à apokinon. Vous pouvez dès à présent administrer régulièrement à la jeune femme quelques doses de mojito, des brins d'amitié et d'amour, ainsi qu'une pincée d'optimisme. Ne pas être avare en humour. Saupoudrez de courage en poudre et vous y êtes. Recette à venir. On espère très prochainement le hachis parmentier de fils de parc. Le tremblement, bah donne-moi à toi. J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui bouge. C'est pas un truc naturel. C'est assez anachronique. Et on le voit souvent chez les personnes âgées. Comment on peut envisager quelqu'un tout le temps à côté de soi? Inhabituel, tout simplement inhabituel. Parce que moi je suis dans mon propre corps, déjà ça me fait bizarre. Ça va en arrière, en avant, t'es comme une boule de flipper quoi. Et que je démarre et que j'arrive pas à avancer, comme le freezing. Ça c'est assez nouveau, ouais. Le chasse-statue, ce qu'on appelle le chasse-statue. Et si je pars en arrière, ça fait quoi comme vision? Bah ça, c'est beaucoup plus compliqué pour aller de l'avant. Dans la nouveauté permanente, c'est ça qui est cool. Le petit dictionnaire. Autonomie. J'ai la capacité de m'exprimer pour demander de l'aide. Ne me brisez pas les ailes, elles sont fragiles.
Broutille. Pas pour moi. La vie est trop courte pour perdre du temps. Cafard. Triste parfois, mais heureuse à l'intérieur. Ce fils de parc se joue souvent de nous. Dyskinésie. Quand je me transforme en loup-garou, ne m'en veuillez pas si je décline une invitation au dernier moment. Émotion. Le cœur de Parkinson, difficile à gérer en positif comme en négatif. Filtrer les informations quand c'est possible. Fatigue permanente. Elle nous vrille à l'intérieur. Elle aggrave les symptômes de la maladie. Grincheux. Parfois et sans raison, voire cafard. Dans ces moments-là, ne le prenez pas pour vous. N'hésitez pas à le souligner. Nous pouvons ainsi mieux le gérer. Humilité. Il en faut beaucoup pour vivre avec Parkinson. Qui suis-je maintenant? C'est une sensation étrange. Mais ce fils de parc arrive régulièrement à modifier insidieusement mes émotions, ma mémoire, mon comportement. J'ai cette désagréable impression de me désolidariser de moi-même, comme enrôlé dans un ballet schizophrénique sans fin. Je danse seul, tout en ayant l'impression d'être deux. Comment mettre des mots sur cette impalpable sensation? Comment décrire ce processus irréversible, si différent pour chaque colocataire de Parkinson? Essayons cet exercice de style. Je n'étais pas maladroite, je le deviens parfois. Je n'étais plus colérique, je peux soudainement bouillir comme une cocotte minute sous pression. J'avais un équilibre physique aléatoire, j'ai appris la haute voltige. J'étais sensible, je me sens maintenant précaire émotionnellement. J'étais en perpétuel questionnement, je suis maintenant une énigme. Je ne me droguais pas, je suis devenu une dopamine addict. J'avais un sommeil de plomb, il est devenu poids-plume. Je ne connaissais pas l'hôpital, c'est devenu ma seconde maison. J'avais la volonté de tout maîtriser, j'ai appris l'humilité. Je profitais de chaque jour comme le dernier, et ce dernier est devenu mon présent. Je pratiquais le sport sporadiquement, j'ai adopté mon kiné et le yoga. Je dansais jusqu'au bout de la nuit, je voyage jusqu'au bout de la nuit, mais souvent sans danser. J'étais sauvage, je suis devenu solitaire. J'étais hyperactive, je me bats maintenant pour devenir contemplative. Je voulais écrire, peindre, mais j'avais trop de boulot. La création artistique a pris le dessus. J'avais la mémoire d'un éléphant, j'ai maintenant celle d'un poisson rouge. Cette description n'est qu'une ébauche des modifications intrinsèques qui s'opèrent en moi. Et le résultat, me direz-vous? Un joyeux mélange de sensations inconnues, parsemées de gags quotidiens. Le pot de confiture finit plus souvent par terre que sur ma tartine. J'ai la démarche d'une girafe sur des échasses. Je réapprends le vélo tous les jours. Il m'arrive d'avoir envie de pleurer quand il n'y a plus de fenouil au supermarché.
même dans les moments les plus critiques de ma vie, j'ai toujours cultivé l'humour et l'amitié. Aujourd'hui, cela me sauve. Je me réapprends tous les jours en prenant du recul. Et pour y arriver, une grande respiration et... Un seul mot d'ordre. Rions ensemble. C'est tellement bon. Je voudrais transformer ma peine en joie, faire du doute une certitude et toujours avancer sans flancher. Je me voudrais droite comme un nid, solide comme un roc, souple comme une liane. Je voudrais ne pas avoir froid, ne plus avoir peur, garder en moi de la candeur. Je voudrais, dans le petit matin, courir comme un lapin, le cœur plein d'allégresse, un jour plein de promesses. Je voudrais en rire à gorge déployée et toujours m'en moquer, le prendre en dérision, sans condition. Je voudrais ne jamais renoncer, être plus combattante, posséder un moral d'acier, que rien ni personne ne tourmente. Je voudrais que ces larmes en chemin, comme une compresse, absorbent le trop-plein des jours de tristesse. Je voudrais, quand mon corps se tord, endurer la souffrance jusqu'à la délivrance sans aucun effort. Je voudrais parfois être une petite souris pour ne pas faire de peine, ne plus être un souci pour ceux que j'aime. Je voudrais que ce chemin de croix, armé de mes béquilles, reste à l'état de broutille. Je voudrais mais je ne sais pas ce qui est possible de ce qui ne l'est pas. Juste cette chance immense dans les moments de stress, de pouvoir écrire sans conscience mes doutes, mes joies ou ma tristesse. Et les mots, peu à peu, en cadence se mêlant, forment un refrain joyeux qui m'apaise dans l'instant. Je passe doucement la barre des 45 ans et je me demande pourquoi cela me laisse aussi indifférente. Enfin, indifférente n'est pas le mot exact. C'est juste que ce chiffre ne s'ancre pas dans mon quotidien, car mon cher colocataire, Parkinson, est un magicien du chiffre. J'ai 90 ans au réveil, avant la prise de médicaments. Le dos voûté, le pas traînant, et ce tremblement si caractéristique du bras qui serait si utile pour faire des cocktails, mais à 8h du matin, je rêve plutôt d'un café. Celui que tu rates une fois sur deux, justement, parce que tu trembles. J'ai 80 ans, le jour de tempête, où seules les béquilles et ma carte d'invalidité me maintiennent la tête hors de l'eau. J'ai 70 ans, souvent, un quotidien paisible, quand je vois tous ces travailleurs qui s'agitent autour de moi, et que j'ai la sensation d'avoir fait ma part. J'ai 60 ans, quand le début d'après-midi rime avec l'heure de la sieste et des jeux de lettres. J'ai 50 ans quand j'arrive à enchaîner les heures de boulot, que je suis tout simplement heureuse, la tête pleine de projets et les mains dans la colle. J'ai 40 ans quand les médicaments ne rythment plus mes journées,
où je me sens si bien ici et maintenant, une femme sexy, libre et indestructible. J'ai 30 ans, dans ces quelques rares moments d'inconscience où mon corps répond encore présent, une cendrillon rentrant après minuit sans se transformer en citrouille. Le bonheur simple d'une soirée entre amis, la tête dans les étoiles et le cœur bien au chaud. J'ai 20 ans parfois, quand je reprends mon souffle, après des jours de combat et que la vie reprend le dessus. Alors, comme une ado, je saute dans les flaques d'eau, me rue sur le karaoké, veille jusqu'à pas d'heure, m'enfilant des séries et des plaquettes de chocolat sans aucune mauvaise conscience. J'ai 10 ans quand je fais du vélo ou du ski et que je ne finis pas la journée bleue comme une schtroumpfette. J'ai 1 an, des jours de catastrophe et de grande tristesse, où mon autonomie se résume à une peau de chagrin. Alors, avec humilité, je réapprends les gestes du quotidien et j'essaye de ne pas détester la brosse à dents qui n'en fait qu'à sa tête ou ma fourchette nonchalante et inutile flémardant au bord de mon assiette. Parfois même, tout se mélange et les tranches d'âge ne se distinguent plus. Avoue que ce n'est pas banal d'avoir 90 ans le matin, 40 à midi et 20 le soir, ou vice-versa. Je n'ai plus la notion de l'âge et je m'en contrefiche. Mais ce que je sais, c'est que j'ai appris à composer, à profiter du temps présent, à mesurer la force de l'amitié et de l'amour. Ça peut pas toujours être évident pour quelqu'un qui a Parkinson de se regarder dans la glace et de se dire qu'il y a quelqu'un qui a envie de te voir avec toi tous les jours. Il va falloir que tu fasses aligner. Moi je t'aime, moi je reste là. Fais du fuck à un moment, moi non. C'est pas ma maladie, je me casse, j'en ai marre. Pour moi je te quitte pas. Je sens pas otage. Gère le truc comme je peux. Mon espace est pas du tout envahi. Il est changé, il est un peu réduit. On a une autonomie de la peinture à ça. Et puis ça arrête, t'en boursonnes plus. Et ça fait une contrainte qui me paraît essentielle et qui a vraiment changé ma vie. C'est la notion au temps. On ne peut pas planifier des choses. Tu vis la vie comme elle vient et puis c'est tout. La vie elle est là, maintenant. Je pense qu'on est optimiste. T'as trouvé la bonne distance. C'est que moi tu m'as jamais regardé comme quelqu'un de malade. Parce que moi je le vois comme un truc temporaire. C'est ça qui me fascine. Tu vas me laisser faire les choses jusqu'à ce que je te demande. Alors que les trois quarts des gens ils anticipent. Je t'ai pris au mot. J'anticipe pas parce que anticiper, c'est considérer que la personne, elle est incapable de réfléchir par elle-même. Les gens qui sont malades, on les infantilise. T'as le mot juste. Une personne adulte, quand elle a vraiment besoin d'aide, elle demande. T'as confiance en toi parce que les gens aussi ont confiance en toi. Le plus beau cadeau que tu me fais, c'est la liberté que tu me donnes. Le petit dictionnaire. Indifférence. La pire injure pour un malade, passez votre chemin. Jeunesse, encore présente et vivante, ne nous condamnez pas à rester dans notre sofa. Kinésithérapeute, mon meilleur ami, le sport nous sauve. Lenteur, symptôme principal, l'impatience des autres nous met en boule. Méditation, essentielle pour tous, malade ou pas. Nous, mon amoureux, mes amis, ma famille. L'amour ne sauve pas, mais nous rend plus forts. Merci du fond du cœur. Optimisme, résolument. Peur de l'autre, de la différence. La connaissance et l'humanité nous rendent meilleurs. Partageons. Qualité de vie. Nous en avons besoin quotidiennement. Pardonnez-nous d'avance pour les contraintes. Repas, sommeil, quiétude. J'ai oublié. Depuis plus de 10 ans, tu me fais la misère. Bousilleur de présent, saleté de tortionnaire. Sans me signer de bail, tu t'es cru invité. Je te sers de cobaye, mon cerveau est braqué. J'ai oublié de ne plus compter les heures qui me rapprochent de la douleur. Et mes yeux, fixés dans le miroir, y cherchent sans cesse l'espoir.
quel chemin. J'ai été révolté, noyé dans le chagrin, le cœur catapulté. Et puis j'ai accepté avec humilité. Je me suis raisonné. On a cohabité. Et pourtant, j'ai oublié de ne plus compter les heures qui me rapprochent de la douleur. Et mes yeux fixés dans le miroir, ils cherchent sans cesse l'espoir. Le désordre est interne, rythmant mon quotidien d'une jeune femme moderne, suis devenu ton pantin. J'ai appris le courage et la sérénité, refusant ton naufrage comme unique destinée. Et pourtant, j'ai oublié de ne plus compter les heures qui me rapprochent de la douleur. Et mes yeux fixés dans le miroir y cherchent sans cesse l'espoir. J'ai beau me raisonner, m'habiller de patience, je préfère rigoler que subir ta souffrance. Tous les jours à la charge, tu te pointes fringant, tes coups de torpillage me les brisent, vraiment. Et pourtant, j'ai oublié de ne plus compter les heures qui me rapprochent de la douleur, et mes yeux fixés dans le miroir y cherchent sans cesse l'espoir. J'ai visé l'équilibre. Adieu mes illusions, et comme un bateau ivre, je cherche mon horizon. Propulsé dans le noir et livré au vautour, j'ai choisi de ne voir que la paix et l'amour. Et pourtant, j'oublie encore de ne plus compter les heures qui me rapprochent de la douleur, et mes yeux fixés dans le miroir qui cherchent toujours l'espoir. Et le boulot dans tout ça? Je suis relieur et j'ai la maladie de Parkinson. Et alors, me direz-vous, c'est quoi le rapport? Aucun. Si ce n'est que la reliure m'a offert une partie des outils qui me permettent maintenant de gérer ce fils de parc. En effet, pour exercer un métier manuel, il faut de la rigueur, de la patience et parfois même de l'acharnement. Cela demande également une bonne dose d'organisation, de grands moments de solitude. Cela ne vous rappelle rien. Pour ma part, je trouve que la maladie sollicite beaucoup de ses traits de caractère. Et comme je suis rentré à l'époque en apprentissage, je rentre aujourd'hui dans la Légion étrange, pleinement et consciemment. Le socle est là, structuré et solide. Et si ce fils de parc croit qu'il va me faire tourner en bourrique, il n'a qu'à bien s'accrocher. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est qu'il n'a jamais appris la reliure. Il est aussi gauche que j'étais à droite, et tellement impatient, du coup, s'offre à moi un nouvel apprentissage, celui de l'endurance, du combat physique et de l'humilité. Car il n'est pas un pro de la perfection. Et j'ai beau lui expliquer que ce travail demande de l'habileté et de la précision. Il se joue de mes exigences et tente systématiquement de les rabaisser. Il prend d'ailleurs un malin plaisir à faire des taches. Là où je pose la colle, utilise mes pinceaux comme des baguettes de tambour et ne cesse de gigoter dans tous les sens. Ce qui me sauve,
des réflexes à toute épreuve, aiguisés par des années de pratique, et une passion pour ce métier qui ne s'est jamais éteinte. Merci du fond du cœur à Sophie de me l'avoir transmise. À ce jour, je peux encore parfois me remettre à mon établi et créer jusqu'à l'oubli de jolis carnets pour ma petite entreprise. J'ai de la chance. Et quand, comme aujourd'hui, mes yeux se posent enfin sur le travail accompli, j'oublie instantanément les efforts et la maladie pour ne retenir qu'une seule chose. Ce fils de Parc et moi, nous formons encore une belle équipe. Bravo. Si le monde si rapide s'affole furieusement dans une course intrépide fonçant vers le néant, si tous ces va-et-vient font des gens importants, je suis sur le chemin, un point d'achoppement. Il y a dans ce vacarme un mouvement inversé qui, non dénué de charme, a les ailes brisées. Je suis anachronique, victime du quotidien. Ma propre mécanique manque d'huile, c'est certain. Si courir vous ravit à grands pas de géant, ne jugez pas ma vie privée de tout mouvement. Si long soit le chemin qui mène à la lenteur, il n'est pas anodin d'y trouver du bonheur. Et malgré le poids, malgré la cruauté, je ne porterai pas votre culpabilité. Je suis anachronique, victime du quotidien. Ma propre mécanique manque d'huile, c'est certain. Éjectée de la danse, j'ai bifurqué et dans la résilience me suis plongée. J'y ai trouvé la force, matin après matin, d'accepter ce colosse qui brisa mon destin. Il m'a offert la chance de pouvoir m'arrêter et de quitter l'urgence d'une vie essoufflée. Et même anachronique, victime du quotidien, même si ma mécanique manque d'huile, c'est certain, j'aime encore à penser que vous me tendrez la main sans m'offrir en pitié, sans cracher de venin. Ostracisme, dit ma société. Qu'as-tu dans ta petite tête de pioche? Pourquoi nous abandonnes-tu seul au bord de la route, nous laissant ainsi désœuvrer? Aurais-tu peur de nous? J'ai regardé dans le dictionnaire, j'ai bien trouvé deux mots, malade et inutile, avec deux définitions différentes. Alors, où est-il le problème? Aurions-nous démérité? Si la maladie est une bataille en soi, cela n'est-il pas suffisant? Avons-nous aussi à emporter la culpabilité? Je profite de cette tribune pour t'expliquer une ou deux choses que tu sembles avoir omises. La souffrance physique et morale nous pousse dans nos retranchements et nous rend souvent plus forts, plus combatifs. Pour avancer et accepter l'inacceptable, il faut développer beaucoup d'humour. Notre corps est comme une petite entreprise que nous devons gérer efficacement. Il faut être responsable. La prise multi-quotidienne de médicaments astreint souvent à une hygiène de vie que je n'observe pas chez tous mes contemporains bien portants. Immobilisation n'est pas synonyme
de nonchalance. Quelle est la différence entre une chaise de bureau et la mienne à la maison? Notre différence en tant que malade chronique est ressentie comme de l'ostracisme. Et je crois sincèrement que la société s'est trompée de colère car à trop nous stigmatiser et nous rend malades. Et là, le serpent se mord la queue et badaboum, plus rien ne fonctionne. Moi, je voudrais juste dire que malgré ce colocataire encombrant, j'ai de l'énergie à revendre. Heureusement, beaucoup d'humour et que je me sens responsable. Et que si, pour que l'on nous fasse confiance, il faut prendre les transports et s'asseoir sur une chaise de bureau, c'est bien dommage. Pour ma part, je continue mon petit bout de chemin, pensant que la société est un tout non uniforme, mais justement riche de nos différences. C'est ce qui ferait notre force si nous étions moins conformistes. Et rien que de l'écrire, ouf, déjà, je me sens mieux. Parkinson. C'est pas évident de s'exprimer là-dessus. Non. Aidant, souffrance, dévouement, patience, combattant. Maladie, médicaments, répit, apaisement, renoncement. Inconfort, douleur, réconfort, chaleur, et puis bonheur. Attirance, amant, jouissance, sentiment, frustration. Petit dictionnaire, suite. Rire sauve des désastres. Ne soyez surtout pas désolé pour nous, et votre bonne humeur fera le reste. Sommeil est essentiel. L'insomnie est notre lot quotidien et nous handicape fortement. Tremblement, comme un cauchemar qui dure des heures. Ne nous regardez plus comme des toxicomanes ou des alcooliques. Nous sommes juste souffrants, voire peur. Urgence, quasi impossible à gérer. Cela nous fige et nous fait péter les plombs. Volontaire, nous le sommes. Et notre intégration dans la société est possible si notre handicap est reconnu. Waterloo, c'est tous les jours. Comme une tasse qui vole, une chute, un corps qui se tord. Nous paraissons durs parfois, mais c'est difficile d'être conciliant dans la tempête. Soyez patient. XHTML, mon amour, Internet pour les nuits sans sommeil, mon blog pour l'écriture, un partage chaleureux sur les réseaux sociaux. Yoga, à consommer sans modération. Zapper les clowns tristes, les stressants, les égoïstes et les énergies négatives. C'est une question de survie pour nous. Il y aura encore des jours comme aujourd'hui. Loin des galères, de l'endurance balayant l'hiver et les souffrances. Il y aura encore des jours comme aujourd'hui. D'étapes validées, signes d'apaisement, d'efforts récompensés, de retour du printemps. Et oui! Il y aura encore des jours comme aujourd'hui, d'amour fou et de rire partagé, sans compte à rebours, ni vent, ni pluie, sans détour,
C'est ça la vie. À cœur ouvert. Ne pourrait-on pas vivre dans une bulle? Une bulle de savon lisse et douce comme de la soie. Une membrane ultra protectrice qui nous servirait de bouclier émotionnel? La réponse est non, bien évidemment. Et avec ce fils de parc dans mon cerveau, cette réponse négative a une résonance dissonante qui me laisse actuellement sans voix. Les blessures émotionnelles accentuent irrémédiablement les symptômes de la maladie de Parkinson. S'entr'ouvrent alors les portes de l'enfer, qui charrie par vagues successives de la tristesse, des crises d'angoisse ou tout simplement des tremblements. Mes pilules du bonheur sont comme anesthésiées et je me sens comme aspiré dans un tourbillon de panique. Subitement, ce qui était le sel de la vie se transforme en acide corrosif qui me ronge les sangs. Et revient alors cette lancinante question: peut-on se protéger de tout pour ne pas souffrir? Et sa terrible réponse: non. De toutes les manières, je ne rêve pas d'un monde lisse et sans saveur. Mon seul souhait serait de ne pas être mis en danger par mes proches, par ceux qui pourraient comprendre ce déséquilibre émotionnel intérieur qui est mien maintenant. Et je me rends compte que cela aussi, c'est un vœu pieux. La vie est comme une partition de musique où chacun joue avec des instruments différents. Forces et faiblesses y sont intimement et savamment mêlées, mais il n'existe jamais le même dosage. Je suis en phase d'observation. Je m'aperçois qu'il n'y a aucune raison pour que le monde se mette à tourner différemment demain. Par contre, pour ceux d'entre nous dont le parcours de vie est subitement dévié, l'axe central se déporte peu à peu, nous rendons peut-être plus clairvoyants, voire lucides, et me reviennent alors à l'esprit ces quelques mots de Rimbaud. Je travaille à me rendre voyant. Vous ne comprendrez pas du tout et je ne saurais presque vous expliquer. Il s'agit d'arriver à l'inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes, mais il faut être fort, être né poète. Et je me suis reconnu poète. Je ne suis pas poète, malheureusement. Mais la maladie devient pour moi un long chemin intérieur qui repousse mes limites physiques et mentales. J'hésite actuellement entre la lutte acharnée ou l'acceptation, qui, elle, conditionnerait des modifications internes profondes. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts, disait Nietzsche. Alors si je suis cette idée, je vais bientôt avoir un mental en béton armé. Alors je ne suis pas triste. Je rêve seulement, comme tout à chacun, d'un monde meilleur. Suis-je stupide ou naïf? Non, je ne crois pas. Je suis profondément optimiste. Et c'est actuellement mon meilleur bouclier contre toi, sale fils de parc! La princesse sans voix dormant. Je suis une princesse sans voix dormant, un ovni en détresse, paumé dans l'espace-temps. Si seulement le jour je trouvais l'apaisement, ce compte à rebours serait moins éreintant. Mais jours et nuits au jeu de l'imposture,
résonnent à l'infini sans tempo ni mesure. Nous, les combattants de l'ombre sans balise neuronale, flottons dans la pénombre d'un enfer sidéral. Shootés, dopaminés, propulsés hors du cadran, déboussolés, cabossés, on en devient mutant. Parfois, les nuits sont riches, nourries de création, parfois elles sont en friche, n'offrant que contorsion. Je me sens jet-lagué, exsangue de conscience, rêvant d'un oreiller brillant pour le silence. Pourtant, malgré l'urgence, je vois le monde saigner, une non-assistance pour de vrais naufragés, reflétant ma souffrance comme une dérision, me tenant à distance, elle me rend la raison. Je suis peut-être une princesse sans bois dormant, mais mon cœur est en liesse d'un amour rayonnant. D'une main dans la mienne, m'entraînant vers demain, d'une pluie diluvienne d'optimisme jamais vain. Mille merci à mon prince charmant de partager ma vie ainsi que mes tourments. Bonne année. Ne te retourne plus. Ne cherche pas de raison, mais accepte l'inconnu, sans bannir l'horizon. Avance toujours, même quand il fait grand froid. Accueille chaque jour comme un premier émoi. Traverse les jours de brume avec force et courage, sans le poids de l'enclume qui t'offre au bastingage. Respire chaque émotion comme un gage d'avenir, transformant le charbon en un doux élixir. Ne sème plus la colère le long de tes sillons, mais récolte, bien au contraire, le fruit de ton pardon. Accepte ce combat sans poser de questions, tel un petit soldat suivant son bataillon. Et ainsi, embrasse l'avenir comme un nouveau départ, en te laissant ravir par le chant de l'espoir. Ma prière pour Parkinson. Notre mère, preneur de tête, qui nous boulotte les neurones, que ton règne bancal s'achève. Que ta volonté soit contrecarrée par de brillants scientifiques. Donne-nous aujourd'hui de la force d'en rire. Pardonne-nous de vouloir évincer, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont évincés. Soumets-nous à l'impérieux désir de vivre et délivre-nous de toi. Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent le manque de dopamine, les tremblements et les dyskinésies, de chutes en chutes. Amen. Bravo. Deux lignes d'horizon pour un même combat, essuyer l'affront d'un mauvais karma. La force des mots pour décrire l'indicible, le choix du vélo pour nous rendre visibles. Sans se concerter,
sans même se connaître, la même volonté de ne pas disparaître, de dynamiter les bien-pensants, le discours raisonné du tout médicament, une lutte acharnée pour se sentir vivant, pour rassembler les combattants, briser le silence de notre quotidien, réduire l'indifférence à peau de chagrin. Parfois, amer ou triomphant, la même colère nous tenaillant. Peut-être trop fier pour baisser les armes, ou visionnaire, tout feu, tout flamme. Et finalement, de défi en poésie, nous voici enfin réunis. Et cette sensation étrange que malgré nos différences, ce que je croyais être une cage m'offre la plus grande des chances. D'avoir un frangin, de pouvoir partager sans baratin aucun notre présent fragmenté. Et cette zone de combat, no man's land inconnue, une terre de joie, de toi à moi devenue. Ensemble, aujourd'hui, cette fois-ci sur les planches, plus fort que la maladie, on la tient notre revanche. Aussi incroyable que merveilleux, invraisemblable, tout simplement heureux. Un mélange de couleurs a fait nous rencontrer. Ça fait maintenant 8 ans qu'on se connaît. J'étais dans la peau, t'es en moi jamais. Tu m'habites, tu fais corps avec moi. Je ne vais nulle part sans toi, je ne suis rien sans toi. Nous faisons tout ensemble, nous ne faisons rien ensemble. Partout où tu vas, je vais, j'étais trop dans la peau. Je peux pas te quitter, nos vies sont liées à jamais. Tu sais tout de moi, je ne sais rien de toi. Je t'ai fait connaître mes amis, mes envies, mes soucis, mon goût de la vie. Mais c'est con, on peut pas faire de petit. Tu es sournoise, t'es mon ami, t'es mon ennemi. Tu te fais désirer pour mieux m'apprivoiser. En fait, j'ai bien compris, t'es la faucheuse au ralenti. Alors maintenant faut se quitter. Plus question de me torturer, je veux vivre en paix. Allez, dégage, t'en as assez fait. Oh mais au fait, merci. Grâce à toi, j'ai rencontré de vrais amis, de nouveaux ennemis. Je me suis redécouvert. Et sur bien des points, je suis aussi redevenu vert. T'as démoli mon corps, t'as chamboulé ma vie. Et pourtant, bah ouais, merci. Allez, fais tes valises. Tu vas dégager. Moi, je refais ma vie. Une vie de combat. Combat sans haine, combat sans peine, mais combat quand même. Une dernière fois, faisons l'amour, petite poupée, sans trembler. Dans un dernier corps à corps, jouissons mon amour, parce qu'après, promis juré, je vais bien te niquer. T'as pourri mon atmosphère, troué ma couche d'ozone, je vais te défoncer Parkinson. T'as bien fait ta bourgeoise, t'as voulu faire ta sournoise, voulu qu'on s'apprivoise. Maintenant c'est terminé, retourne dans ta zone. Jamais, plus jamais, il y aura pitié, Parkinson. Jamais, plus jamais, il y aura de pitié, Parkinson. Thank you.
bonsoir et vraiment merci. Merci d'être venu si nombreux ce soir au Théâtre de la Huchette pour ces fragments dopaminergiques. Écrit, texte et poème écrit par Lily Saint-Laurent sur son texte de recueil Wanted. Mais je vais te demander comment as-tu vécu cette expérience. Alors déjà, avant la maladie, je savais pas trop gérer les émotions. Alors là c'est un peu le pompon. En général, quand il m'arrive quelque chose, je suis contente le lendemain. Bon. Ça met à peu près 24 heures. Bon. Je suis... voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crois que je viens de passer dans une machine à nouveau. Et je suis tellement heureuse. C'est un très beau cadeau. À la fois votre venue et les comédiens, le fait que Fred soit là. Voilà. Je ne pouvais pas rêver mieux. Est-ce que tu peux me parler quand même de ton site, Fils de Parc ? C'est quand même un petit peu. C'est pour les aidants ? C'est pour toi ? C'est pour qui veut, en fait. C'est ouvert à tout le monde, fils-de-parc.com. En fait, c'est un peu l'histoire de la maladie. Mais c'est aussi un moyen, je pense, de dépasser la maladie, de montrer une autre partie de nous-mêmes, de ce qu'on peut être et de ce qu'on était avant aussi. Et j'ai vu tellement en France, en fait, de sites, en fait, qui étaient que médicaux ou sur les côtés négatifs de la maladie. Ça va donner envie de la transformer. Voilà. Sur ton site, on peut trouver aussi des conseils pour la nourriture. Je crois que tu apportes une... Moins maintenant. Enfin, en fait, j'apporte pas des conseils pour la nourriture. J'ai mes recettes de cuisine. Et comme j'ai un régime particulier, ça donne effectivement des recettes sans lactose ou sans gluten. Mais il y a aussi de la musique, il y a de la poésie, il y a de la reliure. Enfin, voilà. Et les projets à venir, alors qu'est-ce que maintenant qu'on a, fait fragment dopaminergique au théâtre, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors on avait fait Wanted, on avait fait le livre, maintenant on a fait le théâtre, je ne sais pas. On va bien trouver. On va trouver. Très bien, par ici, s'il te plaît. Alors Fred, comment t'es-tu investi? Ben, tu vas bien? Ouais. Comment t'es-tu investi, toi qui as plus l'habitude de t'entraîner dans d'autres salles? Comment tu pensais ce soir Oui, moi, c'est plus ces salles de sport, mais Lily, on peut pas lui dire non. D'accord. On peut pas lui dire non, elle a une telle manière de demander qu'on peut pas lui dire non. Et puis, j'ai fait du théâtre dans ma jeunesse, dans un petit village, une petite association dans le village. Et puis là, on te dit, tu viens jouer, mais c'est le théâtre de la Huchette à Paris, et il y aura Jean-Claude Drault, Pierre Santini et Vincentini. Comme on dit chez nous à Boulogne, et moi d'être con. Voilà quoi, on y va, et puis c'est tout. Et tout à l'heure, je me trouvais dans les loges, avec Jean-Claude Drault, avec Emma, et puis j'ai regardé, et puis Fred, qu'est-ce que tu fous là? C'est incroyable, je suis avec deux légendes dans un théâtre légendaire également, et puis ça file de la vraie dopamine, ça, faut vous dire. Fred fait beaucoup d'exploits sportifs. J'aimerais bien que tu nous dises l'exploit que tu as réalisé cette année. C'était en janvier, je crois. Les 6 jours et les 6 nuits. Les 6 jours, 6 nuits, oui. C'était non, le dernier, c'était en juin. Bon, les 6 jours, 6 nuits, comment ça s'est passé? Les 6 jours, 6 nuits, le spécialiste mondial qui est là, quelque part. Ce Philippe Dumogard, voilà. Ces 6 jours, 6 nuits, non-stop, sur le vélo, sur un trainer, à pédaler, voilà. Donc, c'est tout. En distance, combien? En distance, j'ai fait 2445 km. D'une ville à une ville, à peu près, non? Ça fait Paris-Moscou. C'est rien. Donc, tu as aussi une association, Opal d'organisation, voilà. C'est une association que j'ai créée avec mon petit frère. C'est une association qui, parce que mon petit frère a son fils qui a été touché il y a une vingtaine d'années par la leucémie. Et il s'en est sorti bien comme il faut, mais on a été aidés dans les hôpitaux, on a vu plein de choses, et on s'est dit qu'il faut rendre ce qu'on a reçu. Quoi. Et donc on a fondé cette association en fait, et puis on collecte de l'argent en organisant des événements, en participant à l'organisation d'événements. Donc on collecte des sous et on aide les malades de toute pathologie confondue, parce que la maladie ne choisit pas, donc nous, on n'a pas commencé à choisir. Donc, on aide les malades de toute pathologie confondue à se payer des équipements ou des soins qui ne seraient plus remboursés par notre système de santé.
par exemple un fauteuil roulant électrique et une petite autiste ou des choses comme ça, vous voyez, voilà. Et Fred, tu vas nous dire quel est ton prochain défi, tu le dises quand même. Tu m'as dit 2445 km, c'était beaucoup, donc là on va réduire, on va faire que 32 km. Mais c'est en traversant la Manche. Tu vas te prendre comment alors? Sur un vélo. c'est un vélo que vous allez le voir bientôt. C'est un vélo un petit peu, vous imaginez une planche de paddle avec un vélo posé dessus avec une hélice en dessous. Et puis voilà, on avance tout simplement. Tout simplement. Ben Lily et Fred, nous, si on est tous là ce soir, c'est parce que vraiment on est admiratifs de votre combat et du soutien que vous pouvez apporter à tous ceux qui sont atteints de la maladie de Parkinson ou autre. Et vraiment, on ne peut qu'applaudir votre combat. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir. Fred Bélanger. Le théâtre de la Huchette, là où nous sommes, parce que grâce à Franck Desmet et Gonzague Philippe, eh ben, on est tous là ce soir. Nous avons eu la chance en plus d'avoir par le théâtre donné un régisseur qui est derrière, qui s'appelle Yves Thullier. Fantastique, merci. Et puis bien sûr, on va saluer les acteurs. Emma Santini. Alors maintenant, on ne va pas se quitter comme ça. Et un grand merci à Rémi Prosper. C'est gentil. Oui, bravo. Alors, merci aussi à mon équipe qui est là, qui s'est réunie autour du projet et qui a fait que ça roule. Gabriel Charlot Doré, scénographie, caméra. Ouais. Mon ami Philippe Jacon, caméra. Caméra de toutes les vidéos. Romain Malé qui est devant, merci encore. Et Romain Migliorelli. Encore merci pour eux. Et puis, c'est là-bas, c'est au pub, que Alice va dédicacer ses recueils de poésie pour tous ceux que ça intéresse. Elle le vend au prix de 10 euros. Voilà, elle vous les dédicacera. Je crois que j'ai tout dit. Oui, pas de problème. Pour les dédicaces de Lily, c'est chouette parce que c'est jamais les mêmes dédicaces. c'est pas ce que je voulais dire. Il y a des amis d'époque qui sont venus de Boulogne-sur-Mer, qui sont venus de Fred Vernat, tout ça, ça m'a super touché. Je remercie tous les amis. Et puis, je pense pas que j'aurais été là s'il n'y avait pas eu quelqu'un qui est présent dans la salle. Je tiens à vous lui faire quelques petits applaudissements. C'est celle qui fait tout pour moi, qui me supporte, c'est Virginie. Ouais. Je voudrais juste faire remarquer quelque chose. On va me dire encore que je suis trop populiste. Mais ce spectacle, en fait, effectivement, il a eu lieu grâce à des amitiés fortes avec Rémi au départ, avec la confiance que nous a donnée la Huchette, sans rien nous demander, avec l'aide des comédiens. Et je tiens quand même à préciser que sur ce spectacle, tout le monde est bénévole. Et qu'on a une aide immense depuis 9 mois. C'est une aventure incroyable. Et voilà, dans la société actuelle, je trouve ça important de faire remarquer qu'un projet comme ça peut exister par la seule volonté, l'amitié et l'amour des gens entre eux. Bravo. Une dernière fois, c'est moi, Emma Fantini. Merci beaucoup.